Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope détaillé de juillet 2024. Nous allons voir ensemble ce que ce mois estival va vous réserver signe par signe. Bien sûr, n'oubliez pas que cet horoscope n'est qu'un horoscope généraliste qui ne peut remplacer une étude personnalisée de votre ciel. Pensez donc pour affiner ces prévisions à consulter les tendances astrales concernant également votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est parti pour l'étude de cet horoscope mensuel de juillet. Amis Scorpions, ce mois-ci, sous l'influence d'Uranus et de Mars dans votre maison solaire 7, vous serez particulièrement exigeant en amour. Si vous êtes célibataire, bien que Saturne et Pluton dans vos maisons solaires 6 et 7 favorisent ce mois-ci les interactions sociales et les nouvelles rencontres, vous chercherez avant tout une relation stable et une connexion intellectuelle profonde avec les autres, et ce niveau d'exigence élevé pourrait rendre difficile la rencontre de quelqu'un qui puisse vraiment répondre à tous vos critères. Si vous êtes déjà engagé, vous serez là aussi intransigeant et critique, ce qui pourrait engendrer quelques tensions sous votre toit. Rappelez-vous que la communication bienveillante sera essentielle, évitez les propos trop durs ou trop piquants pour maintenir l'harmonie dans votre relation. Côté job, juillet sera un mois clé pour votre carrière. Mercure dans votre maison solaire 10 vous apportera en effet stabilité et concentration, tandis que Chiron dans votre secteur des activités quotidiennes ouvrira des portes et vous portera chance. Juillet pourrait être le moment idéal pour sécuriser un contrat à long terme, décrocher un nouvel emploi ou réussir dans une négociation importante. Les énergies planétaires favoriseront en tout cas le progrès et la réussite de vos projets professionnels du moment. Côté porte-monnaie, avec Jupiter dans votre maison solaire 8, vos finances seront en bonne forme avec des rentrées d'argent qui seront facilitées. Cependant, l'influence de Vénus et du Soleil dans votre maison solaire 9 pourrait stimuler vos envies dépensières, surtout si vous partez en vacances. Faites attention à ne pas négliger la gestion de vos finances. Un excès de dépenses pourrait rapidement déséquilibrer votre budget ou vos perspectives budgétaires. Prudence et modération seront vos meilleurs alliés pour maintenir votre santé financière du moment. Côté vitalité, enfin, Saturne, en mauvais aspect à la lune noire dans votre maison solaire 12, pourrait vous rendre plus vulnérable à la fatigue et aux petits maux de santé sur ce mois de juillet. Prenez soin de vous en priorisant le repos et une bonne hygiène de vie, évitez les efforts excessifs et assurez-vous de maintenir une routine de sommeil régulière pour conserver votre énergie et votre bien-être. Voilà les amis pour cet horoscope de juillet 2024, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et à liker la vidéo, cela aidera vraiment à faire connaître la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous nos astrologues et médiums sur notre site Temporel, je vous laisse le lien en description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres contenus, en attendant je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous et de vos proches.